Bien sûr, je suis heureux et fier d'avoir gagné le prix Rory Peck. Grâce à ce prix, les gens vont me connaître plus, en particulier dans cette période que vit la Syrie. Je fais partie des journalistes et activistes d'Alep, et même de toute la Syrie, pas seulement d'Alep. Et ce prix va faire que le monde sera plus concerné par la ville d'Alep, par la Syrie de manière générale. Ils verront ce qu'il se passe dans le pays. J'étudiais la littérature à l'université d'Alep. Au début de la révolution, en 2011, nous avons lancé des manifestations pacifiques, appelant à la chute du régime et demandant la liberté pour le peuple syrien. Comme vous le savez, ces manifestations ont fait face à des tanks, des avions et des fusils, et cela a forcé le citoyen syrien à porter les armes. À cette période, les médias ne s'intéressaient pas à la Syrie et à ce qui s'y passait. Donc, en tant que citoyens ordinaires, nous avons été obligés de filmer ces manifestations avec nos téléphones portables, que tout le monde possède, et à montrer cette image au monde. Ensuite, avec la fin de l'entrée des journalistes dans Alep, les agences de médias ont commencé à travailler avec nous en tant qu'activistes locaux, car nous étions la seule source pour les médias, les informations et les images à l'intérieur d'Alep. Dans les hélicoptères, le régime syrien transporte deux barils d'explosifs. Quand le premier baril est lancé, nous nous rendons sur les lieux. Et pendant que les gens se rassemblent, pendant que les ambulances et les journalistes font leur travail, le deuxième baril tombe. Et là, vous êtes très proche de la mort. Moi, je suis là et je me demande dans ma tête, est-ce que je laisse la caméra et je sauve des gens? Au milieu de ces scènes horribles, est-ce que j'aide les gens? Beaucoup de visions m'ont marqué. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne ce que je vois devant moi? Ou est-ce que je fais l'ambulancier alors que la défense civile n'est pas encore arrivée? Dans ce cas-là, tu ne sais pas si tu dois jouer le rôle d'un journaliste ou bien d'un secouriste. Pendant que nous filmions une offensive et des opérations militaires, un premier mortier est tombé à environ 10 mètres. Nous avons essayé de le contourner, et pendant que nous nous éloignions, le second mortier est tombé. J'ai eu deux fractures à la jambe gauche et à la jambe droite, et j'ai une grosse blessure au pied, en plus des éclats qui ont frappé mon corps. Il y a un éclat qui est arrivé près du cœur, qui aurait pu mettre fin à mes jours. Après mon rétablissement, si Dieu le veut, bien sûr que je retournerai à Alep. Notre message est plus grand que notre travail. Nous sommes désormais la voix du peuple syrien en Syrie, alors bien sûr, je vais persévérer dans mon travail.